Il n'y a pas eu de sang versé, malgré ce que je pourrais appeler les oiseaux de mauvais augure, qui préconisaient ou qui prédisaient la catastrophe. Kira mahori muyinga muyagira ibuhinyuza ibutihinda igashoho Écoutez, quand vous avez un peuple qui vit sous l'emprise de la peur, sous l'emprise de l'inquiétude, évidemment, que cette situation soit politique, soit militaire, soit économique, soit sociale ou soit humanitaire, c'est une situation qui doit préoccuper les dirigeants. Et la situation que nous connaissons ici au Burundi est une situation de crise qui revêt plusieurs aspects, dont le politique et le militaire. Sur le plan politique, vous sentez qu'il y a cette logique d'affrontement qui persiste au sein de la classe burundaise, de la classe politique burundaise. Et cette philosophie-là doit cesser. Nous nous y employons. En second lieu, sur le plan militaire, ce plan militaire est tributaire du politique. Si, évidemment, au niveau politique, nous parvenons à faire le ménage dans nos affaires internes, il est certain que militairement, les problèmes s'en trouveront également en cours de solution. C'est donc ça l'ambition que nous avons. Mais il ne faut pas dramatiser. Il y a un journaliste, je pense, qui m'a interrogé une fois et qui m'a dit que le Burundi n'est pas praticable
à 85%, qui est donc c'est un pays occupé par la guérilla. Mais moi, je viens de passer pratiquement 2 ou 3 semaines à parcourir tout le pays. Mes ministres sont aujourd'hui tous à l'intérieur du pays. Et il n'y a pas une seule commune où ils ne peuvent pas entrer. C'est vrai, il y a des problèmes, et notamment au niveau de la sécurité, où ces groupes armés tendent des embuscades ici, tuent, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une seule portion du territoire qu'ils dominent à eux. Non.